Salut mes petits agrumes, et on se retrouve pour une vidéo sur Star Stable où je vais faire la mise à jour du 18 mars 2020. Et oui, ça fait un petit peu plus d'un mois que je n'avais plus fait de vidéo. Bon, la raison est toute bête, c'est que j'avais plus trop envie de jouer à Star Stable, tout simplement. Mais bon, ça va pour le moment, l'envie commence à revenir. Bon, ça vient surtout du fait que maintenant on est tous obligés de rester chez nous. Parce que voilà, le Covid-19, coronavirus, si on sort, on va mourir. Façon de parler, hein. Bon, j'exagère, mais... Mais bon, vaut mieux rester à la maison pour pas avoir de problème. Bon, ça c'est fait. Donc, la mission sera d'aller au Cirque des Rêves pour des auditions. Alors non, évidemment, c'est pas pour notre personnage, ce sera pour Lisbelle, qui voudrait faire partie du cirque. Parce que comme vous le savez, c'est une magicienne, donc... Elle a envie de faire ses tours de passe-passe, hein, comme on dit. Bon. Enfin bref, sinon, à part ça, il y a eu des mises à jour sur des formats de fichiers. Alors, soi-disant, c'est les chevaux de génération 3 qui auraient quelques problèmes, des petits bugs et tout ça. Bon, je n'en ai pas spécialement remarqué, mais bon, faut croire qu'il y a un petit problème avec ça. Bon, écoutez. La semaine prochaine, il y aura évidemment les quêtes avec Rhiannon en rapport avec le Soul Rinding. Et il y aura aussi Gary qui va arriver avec deux chevaux magiques. Donc ils vont s'appeler Ombra et Ayla. Alors je sais déjà laquelle je vais acheter. Bon, je dis là parce que ce sera une jument en tout cas. Et c'est tout ce que vous saurez. Bon, en même temps, un sur deux, bon... vous allez vite deviner sans doute. Bon, sinon, je vais peut-être déjà commencer la quête, ce sera déjà bien. Bon, j'en profite aussi pour dire que j'ai déjà commencé la quête secrète avec la renarde. Hein. Alors, sinon, un détail que j'avais déjà remarqué sur l'image, c'est lui, regardez. Oui, j'ai fait exprès de vous montrer son cheval parce qu'en fait, c'est un Knatrup. Alors, logiquement, c'est lui qui va sortir sur l'application Star Stable Horse. Et c'est justement celui que j'ai envie d'acheter. Ouais, j'ai envie de l'acheter, comme ça vous le saurez que lui aussi fera partie de mes prochains achats. Et je sais déjà comment il va s'appeler, mais bon, j'en dis pas plus. De toute façon, mon premier achat de 2020, ce sera le cheval magique, donc... D'accord, en fait, elle était cachée. Je l'avais même pas vue. Eh ben, purée, Lisbelle, franchement. Mais bon, sinon, bonjour ma belle. Tu te demandes sans doute pourquoi je suis accroupie dans les buissons. Eh bien, en fait... Alors, je prépare ma grande entrée. D'ici peu, je vais entrer en scène et faire un carton. Tu n'as pas entendu la nouvelle. Idris organise des auditions pour son extraordinaire spectacle ambulant. Ouais, je vais lui demander pourquoi elle fait pas la queue, parce que c'est plus logique. Enfin bon, je dois t'avouer qu'en fait, je suis vraiment pas prête. Bon, je croise les doigts pour toi, ma chère. Oh, ma chérie, tu es trop gentille. Le plus grand spectacle ambulant que ce pays ait jamais vu va bientôt commencer. Mais avant cela, c'est l'heure des auditions. Oui, c'est moi, la célèbre Anastasia. Intéressant, ta tentative pour m'impressionner. Yo, gadget et bidule. Bah, c'est un concours de talent ici, pas un entretien d'embauche. Ah bah oui, c'est vrai que c'est pas con, là, mais bon. Ah oui, d'accord, en fait, lui, il est juste venu ici pour l'emmerder, quoi, en fait. Au revoir, monsieur. Votre talent n'a pas convaincu le grand Idris. Comment il se fout de lui, en plus? Il s'est dit, bah oui, moi aussi, j'ai du talent, tu crois quoi? Arrêtez tout! Tout le monde peut s'en aller. Les auditions sont terminées. Quoi? Attends, c'est vraiment le cheval qui a été choisi? Sérieux? Ce cheval, cette tache, c'est magique! Comment t'appelles-tu, mon beau? Bon, au moins, on sait que c'est un mâle. S-Ben. Quel nom magnifique. Nous ferais-tu l'honneur de ta présence dans notre glorieux spectacle ambulant? À la place centrale qui revient de... Et enfin, j'ai trouvé la star que je cherchais. Vous tous admirez cette... extraordinaire... Cet être extraordinaire. Oh purée, faut vraiment que j'arrête de lire trop vite. D'accord, moi je croyais que c'était un cheval qu'on pouvait acheter, mais moi j'ai quand même l'impression qu'en réalité, il était juste pour la quête. Hein. Si c'est le cas, je suis un peu triste. Bon, sinon, elle n'arrive pas à croire que c'est un cheval qui a été choisi, quoi. C'est un cheval impressionnant. J'exagère un peu, même si je le trouve beau, mais bon. Tu es de son côté ou quoi? On obtiendrait le même effet en dessinant des points noirs sur un cheval blanc. Comme dans Fibra d'acier. Tiens, c'est marrant qu'elle fait référence à ça, d'accord. Attends, je peux te présenter à Idris. Bon, c'est vrai que je le connais bien, donc... Bon, mais j'ai besoin de te parler, hein.
Alors, tu es venu voir ce cheval divin qui nous fait la grâce de sa présence. Donc, qui est cet inconnu habillé en costume de cirque? Une concurrente peut-être? Ok, là il exagère un peu quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le temps de parler de la pluie et du beau temps. Alors, tu voulais me demander quelque chose? Monsieur Idriss, c'est un honneur de vous rencontrer. Je suis la seule et l'unique Isbel Fig. Alors, choisissez une carte au hasard et en 10 secondes, je peux... Hein? Des tours de cartes. Que c'est mignon. Malheureusement, je cherchais quelqu'un possédant un véritable compétence de magie. Mais la magie n'existe pas, ce sont que des illusions. Et comment un cheval pourrait être meilleur artiste que moi? Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas consciente que Idriss, c'est pas un magicien comme les autres. Enfin bon, là, il vient de partir. Bon alors, Idriss ne sait pas de quoi il parle. Non, parce qu'en plus, je dois le suivre. Eh ben dis donc. Bon ben c'est parti. Bon, c'est bon, je suis arrivé. Et oui, comme ça, vous saurez que j'ai toujours pas fait la quête qu'il y avait eu avec les Soul Riders. Mais bon, en même temps, je pensais la faire après, donc hors vidéo, forcément. Alors, les deux petits lapins ont donc couru après le lièvre. Bienvenue à mon spectacle ambulant. Alors, invite 8 personnes à venir assister au spectacle. Bon, ben, c'est parti, hein. Voilà, ça c'est fait. Alors, ouais, j'ai réussi, il n'y a pas de problème. Bon. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Le spectacle commencera dans quelques secondes. Ouais, comme quoi, ça aurait été rapide. Hein. C'était ça le spectacle? J'étais pas totalement convaincu, mais bon. Bon sang, le pauvre Sben est terrorisé. Ah, d'accord, en fait il a peur, c'est pour ça que ça allait pas très bien. Ok, bah écoutez, on va voir ce qui va se passer, mais bon. C'est un désastre, Sben est complètement bouleversé. Tout ça à cause de l'idiotie de Xim. Ah, j'ai compris ce qui allait se passer, d'accord. C'est toi qui vas le monter, c'est ça? Mais t'inquiète pas, je vais te sauver la situation. Idriss, je suis vraiment désolée que le premier spectacle se soit mal passé. Alors, je me propose donc humblement pour le remplacer. Je serai la star du spectacle. Bon, évidemment, monsieur n'a pas l'air de trop vouloir, donc on va penser au spectacle suivant. Ah, d'accord. On doit continuer, nous allons poursuivre jusqu'à l'hôtel Wolf. Ah, bah dis donc, on va en faire des voyages avec toi. Ah oui, ils ont été vite pour partir, hein. Ok, c'est bon, je suis arrivé. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, Marguerite, Lisbelle, quel bonheur de vous voir tous deux ici. D'accord, maintenant je vais voir la Xine. Alors, prépare. Je dois le préparer pour le spectacle, ah oui, d'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord, je devais juste lui chercher de l'eau, en fait. Ok, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Je sais pas. Il y a peut-être besoin de manger, je sais pas. Parce que je préfère vérifier avant de... Et là, faut pas chercher. Ah ouais, je me disais bien, bah oui, c'était logique. D'accord. Bah c'est vrai que c'est pratique l'automatique maintenant. Voilà, ça c'est fait. Mais je sais pas s'il faut autre chose, je dois vérifier, mais bon. Parce que bon, voilà, j'ai pas eu d'indication exacte, donc, ou alors j'ai pas lu correctement, ça c'est possible. Bon, je vais quand même redescendre et voir. Non, c'est bon, je devais aller le voir, ok. Ok, ben on va s'occuper de ce petit dada. Si ma cavalière veut bien descendre, bien sûr. Voilà. Ah, d'accord, ce sont automatiquement. Bon, moi on se casse pas la tête. Ouais, sauf qu'on est à deux en s'en occuper, donc c'est un peu délicat quand même. Ah, parce que comme par hasard, l'autre, il a disparu. Vous asseoir, ok. Mais malgré tout, tu vas quand même faire ton spectacle, d'accord. Ah ben non, c'est bon, il est là.
Même s'il tient pas du tout les rênes, mais bon. D'accord, il s'est cassé avec le singe. Oh non, c'est bon, ok, c'est bon, j'ai eu mon moment de rire là. Je m'attendais pas du tout à le voir voler. Alors, il faut qu'on retrouve Digori. Bah oui, forcément, t'as envie de retrouver ton petit singe, donc forcément, ouais. Bon, allez, c'est parti, on va aller chercher un cheval et un singe. Ah, parce qu'en plus, c'est une course, d'accord, fallait me le dire, hein. Allez, ah non, faut suivre le singe. En fait, il nous a attendu. Ah bah non, attendez, j'ai pas compris là. Ah si, il est là, ok, j'allais me dire, c'était bizarre. Ouais, il était pas loin en fait. Oh non! Non, c'est pas vrai. Ils sont tombés amoureux. Attends, regarde. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux être ami avec Sben? Mon chéri, mais c'est à cause de lui que nous sommes pas des stars. Je dois admettre que vous êtes mignons ensemble. Bon, bien sûr, tu peux monter sur son dos avec moi. Enfin, si ça te dérange pas, bien évidemment. Ok. Ce qu'il faut pas faire, je vous jure. Ok, ben voilà, elle va le chevaucher. Accru, évidemment. Il faut qu'on aille immédiatement au vignoble Silverglade. On ne peut pas faire attendre Idris et son spectacle ambulant. Eh ben, c'est parti! À patte, ok. Je sais pas, bon, moi je vais peut-être prendre de l'avance parce que j'ai pas envie de traîner non plus. Bon, moi je viens d'arriver, mais bon, je les vois pas du tout. Ils sont par là peut-être. Ah oui, ok. Alors, ouais, en fait, oui, depuis tantôt, elle arrêtait pas de me parler de la race, mais bon. Bon. Alors, sinon, je suis obligée d'attendre que. Ouais, d'accord, je me disais bien. Ah, je vois que tu as trouvé la star du spectacle. Et juste à temps en plus. J'imagine qu'elle va pouvoir participer avec lui alors. Vous êtes enfin revenu. J'étais mort d'inquiétude pour l'avenir du spectacle. Malheureusement, je ne vois pas d'autre option que d'annuler le spectacle. Idriss, j'ai une solution parfaite pour votre problème. Alors parle, jeune illusionniste, à quoi penses-tu? Eh bien, Digori, que voici, a forgé un lien avec l'adorable Esben. Ils sont quasiment inséparables, n'est-ce pas, mon chéri? Alors, bon, en gros, elle va leur dire de faire le spectacle à deux, c'est de pas monter un cheval tout seul, bien sûr. Ouais, voilà, en fait, ils vont le faire à trois. D'accord, je me disais bien. Bon, c'est une proposition intéressante, en effet. Laisse-moi réfléchir à... Ta proposition n'est qu'acceptée. Nous avons trouvé une cavalière de remplacement, alors maintenant le spectacle doit continuer. Merci, merci beaucoup, Idriss. Tout l'honneur est pour moi. On a réussi, on va enfin participer au merveilleux spectacle ambulant d'Idriss. Alors, qu'en penses-tu, Marguerite? Bah ouais, je vais être sympa, je vais dire qu'ils vont être géniaux, hein, évidemment. Ton enthousiasme est excellent. J'ai hâte d'assister au dernier spectacle. Ah, bah, au moins je sais que je vais gagner un tap. Ok, bah c'est parti, hein. Au moins je sais que la quête est bientôt finie en même temps, ça me paraissait logique. Allez, c'est parti pour le spectacle. Et voilà, fini. C'était le spectacle le plus merveilleux que j'ai jamais vu. Ah bah tant mieux, mais ouais. J'ai eu le cadeau, mais j'ai quand même des trucs à faire avec elle. Tu as vu à quel point on était géniaux ensemble. Même la baronne est venue me voir après le spectacle pour nous complimenter. On dirait que votre lien est déjà très fort. Ouais, c'est ça, maintenant c'est devenu son cheval, quoi. D'avoir obtenu ce que je voulais, enfin qu'on voulait. Bah tant mieux pour toi. Bah voilà, c'est terminé. Enfin, logiquement. Attends, ah, mon cheval est là quand même. Parce que je vais quand même remonter sur mon petit dadou. Hein. C'est pas parce que la vidéo va se terminer que ça y est. Alors je vérifie, ouais, il y a juste la quête là et c'est bon. Donc voilà, mes petites Clémentines, c'est ici que je vais vous laisser. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu.
Et on va se retrouver la semaine prochaine pour les chevaux magiques. Donc je vous dis au revoir et peut-être à bientôt.